第一个场景发生在2005年，我们的刘同学还是小刘老师问哪位同学会画龙卷风，他上去黑板画，老师却说画的不对，整个擦掉。小刘很伤心，晚上妈妈接他放学，他假装一切都好。第二个场景发生在2020年，小刘变成大刘，有个在捞鱼的男孩掉到水里，大刘去救他，一个大海浪把他打翻，等他醒来，男孩不见了，好像什么都没发生过。Ton histoire est peut-être un peu complexe, métaphysique, et pour l'instant c'est dur de se projeter dans les images. Il va falloir vraiment retravailler l'articulation entre les deux époques pour que le lien soit plus fort et qu'on comprenne ce que tu veux transmettre au lecteur. Parce que tu es allé un peu trop vite, je pense. La méthode, c'est plutôt de se baser sur le réel pour ensuite inventer une histoire. Tu es allé chercher des souvenirs pour essayer de les raconter, mais tu as un objectif un peu trop précis. Pour l'instant, les images ne transmettent pas ce que tu veux dire. En fait, il faudrait que ton texte soit plus précis. On ne comprend pas que c'est une réflexion sur la fragmentation de la personnalité. Tu as essayé de faire une métaphore avec la mer. On ne comprend pas tout à fait le parallèle que tu fais entre les deux époques. Il faudrait mettre ton personnage dans une situation beaucoup plus réaliste pour montrer qu'il a un problème de confiance en lui et que les autres personnes ne sont pas sympas avec lui et que la situation de son enfance se répète et se répète et se répète. C'est une thématique intéressante, mais il faut mieux la mettre en situation. Les images, elles sont bien. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est vraiment structurellement dans l'histoire. Il faut que ta thématique, elle soit plus exagérée avec des situations plus proches et réalistes pour que ton lecteur s'identifie à ce personnage. La méthodologie de mon workshop, c'est vraiment de se baser sur l'observation du réel pour ensuite imaginer des idées d'histoire. Donc peut-être tu peux enrichir ton travail avec ce week-end des observations que tu fais. 一个小男孩出生了，逐渐长大，学会了各种事情。他的身体从单一线条变成彩色，又一次被推到另一个只有一种颜色的有序的世界。他听不懂那里的人说话，非常害怕，无法挣脱，四处躲藏。他被人形怪物推进一个油漆桶里，却没人听到他的求救声。最后，他被染成和这个世界一样的颜色。On n'a pas besoin de savoir qui est ce petit garçon. Je pense qu'il suffit de une ou deux images pour raconter le début. Ça pourrait être la répétition de plusieurs cases.Avec un personnage qui apparaît progressivement grâce à des lignes et des couleurs. Après, il faudrait trouver qu'est-ce qui arrive pour que le personnage soit projeté dans un autre monde. 我们在平时生活中看不到的东西，然后比较抽象的一个东西，把它带入到另外一个世界。Alors ça, j'ai éventuellement une référence visuelle à te montrer. Et en gros, c'est un dessin animé très très sympa et le personnage bouge sur la ligne et c'est toujours la même ligne. Il y a l'histoire de ce personnage voyager à travers des mondes. C'est toujours des jeux avec la composition, la perspective et le langage visuel de la bande dessinée. Ici, par exemple, c'est une page de bande dessinée mais qui est devenue presque comme une architecture.一个男人因为太丑从不出门，每天早起必须戴面具。他通过新闻得知有一个离地球不远的星球，那里的人没有偏见，于是决定去市政厅报名。记者来采访他，才发现自己忘记戴面具。他的猫离开他去推食物，所有人看着屏幕上的他的采访。后面的部分我还没有来得及画完。C'est intéressant. Tu sais, il y a quelque chose, ça me fait penser. Tu pourrais décider que toutes les images de ta BD sont des images de vidéosurveillance ou de caméras d'ordinateur ou de caméras de surveillance de la ville. Ça pourrait être un fil narratif assez intéressant. Parfois, le lecteur ne s'aperçoit pas de la thématique sous-jacente, mais parfois, il s'en aperçoit. C'est un principe graphique que tu aurais pu utiliser dans d'autres circonstances. Mais il y a plusieurs façons. Ça dépend de ce que tu veux dire. C'est vraiment des choix artistiques. Et c'est pour ça qu'à cette étape, tu peux identifier la réelle thématique de ton histoire. Est-ce que c'est la thématique du contrôle ou est-ce que c'est la problématique de la confiance en soi ? 其实，在画之前，我更偏向于关于他的自信问题。但是，上升一个层次，关于人类和权力，然后结合一些摄像头的画面，我觉得会更好。Et tu connais un peu la métaphore du masque ? Est-ce que tu t'es un peu renseigné sur le concept du masque dans la société historique et dans l'histoire de l'art ? Quand tu identifies les symboles dans ton histoire.Et les concepts, ça permet parfois de donner des solutions pour la fin de ton histoire. Il y a un historien de l'art français qui a écrit un livre vraiment passionnant, qui parle justement de la représentation du visage, les formes du visible. Je suis en train de le lire justement, et ça parle de la façon que toutes les sociétés à travers le monde, à travers les époques, comment elles ont représenté l'humain et le non-humain, les animaux, les objets, etc. Et il travaille beaucoup sur le concept de masque qui permet de figurer quelqu'un qui n'est pas là.Ou au contraire de se cacher derrière l'identité d'un autre. Je pense vraiment que ça pourrait être intéressant pour toi de creuser un tout petit peu cette façon d'aborder le sujet. Ça pourrait ouvrir un peu ton histoire pour la faire résonner de façon plus philosophique, parce qu'elle est déjà très bien construite. Et je pense que voilà, si tu arrives à infuser des toutes petites problématiques liées à la représentation et à l'idée d'identité, ça pourrait être encore plus intéressant.
如果这个故事只是关于一个人树立自信的故事，他的结局就很简单，就是和人进行了交流，对着镜头说了很多话，然后他就回家了。您会不会觉得这个结局有一些平淡呢？ Non, alors, ton histoire n'est pas finie. Tu ne vas pas régler le problème du personnage pour toujours. Néanmoins, tu peux montrer que le personnage a vécu une petite transformation qui va peut-être, dans le futur, changer le cours de sa vie. Pour le personnage, c'est un grand pas vers l'avenir. Et toi, dans ton histoire, tu montres seulement une petite transformation. Le personnage a retiré son masque sans l'avoir cherché, mais il a été regardé pour la première fois par quelqu'un dans la rue. Ça n'a pas été une souffrance. 他可能在回家的时候没有朝自己的房间走去。Peut-être qu'il peut voir son reflet dans un miroir et se regarder pour la première fois vraiment. Il faut pas se mettre trop la pression. Ça peut être, par exemple, grâce au regard du personnage qui regarde la caméra, qui regarde le lecteur. Il brise le quatrième mur.Bravo pour ta bonne volonté. Tu as fait plein de versions de ton storyboard. Je trouve que tu as été très réceptif au retour de l'enseignant, avec une très bonne écoute, un réel intérêt pour les références d'histoire, de bande dessinée et d'illustration que j'ai présentées. Bah, les visages sont très expressifs, les postures du portrait sont extrêmement parlants. Je trouve qu'on n'a même pas besoin de texte pour comprendre cette histoire. Félicitations. Je trouve que tu as gagné en liberté dans ce workshop. Je pense que c'est prometteur pour les prochains projets. Félicitations.